quels sont les liens qu'il y a entre les différents chercheurs, que ce soit entre les chercheurs d'un même pays ou même d'un pays à un autre, s'il existe des liens sur leurs recherches pour qu'ils puissent après avancer ensemble. Une fois qu'on a une thèse et qu'on est docteur en France, ça marche partout. C'est vraiment un milieu international. Nos collègues les plus proches sont généralement viennent d'autres pays. Notre centre d'intérêt, c'est vraiment un intérêt scientifique sur un thème et c'est ça qui nous regroupe. Et généralement, sur un thème précis, parce que finalement, on travaille sur des choses très précises, on est entre 10 et 50 dans le monde et on se connaît parfaitement, on se retrouve régulièrement pendant nos congrès et nos conférences et on peut être embauché à l'étranger si on accepte le système qui est en place dans ces pays, c'est-à-dire des contrats plus ou moins longs, des contraintes liées au statut de chercheur qui diffèrent en fonction des pays, mais à partir de là, on peut être embauché n'importe où. Même, c'est beaucoup plus reconnu en Angleterre, par exemple, d'avoir une thèse qu'en France.